Bonjour, je m'appelle Audrey Gache. Je viens vous parler du projet Phare, qui est le forum des artistes amateurs de la Grande Région, qui se tiendra le 31 janvier et le 1er février 2015 au Salon de l'Art de la gare de Metz. Je m'appelle Hélène Loane, je suis la coordinatrice du projet Phare. C'est un projet qui regroupe donc des artistes luxembourgeois, allemands et français. Et cette année, on s'est lancé un défi d'attirer un public un peu plus jeune que les années précédentes. Donc on a pour ça mis en place deux salles, avec une qui s'inscrira dans la continuité des projets précédents et une autre salle où on va essayer d'exposer des arts un peu plus contemporains, alternatifs et voilà, pour essayer d'attirer avec de la musique, etc., pour attirer un public un peu plus jeune. Je suis Madeleine Cis, je suis chargée des relations avec les artistes du Phare pour cette année. Donc pourquoi le Master Management de l'IAE se charge de cet événement? Tout d'abord parce que c'est une formidable opportunité pour nous de réunir des artistes, qu'ils soient luxembourgeois, allemands ou français, et donc de participer aux échanges culturels entre les deux pays, enfin les trois pays. Et pourquoi nous particulièrement, ces étudiantes-là, nous avons tout un intérêt, je pense, pour la culture et pour l'art. Et donc nous sommes allés naturellement vers ce projet. Au début du projet, il nous faut recruter des artistes. Donc on a été assez étonnés de voir que le Phare dispose déjà d'une bonne réputation dans la région et est assez connu puisqu'on en est à la 9e édition. Et du coup, des artistes sont venus spontanément vers nous pour proposer leur candidature. Et de là, on effectue une petite sélection pour que toutes les formes d'art soient représentées, par exemple. Et de là, on se concerte entre nous pour vraiment avoir un échantillon qui puisse être intéressant pour tous les publics, et particulièrement cette année, un public un peu plus jeune, comme Hélène l'a dit. Cette exposition mettra en avant aussi bien des peintures que des sculptures. On a aussi un plasticien qui viendra, aussi de la musique, puisque c'est aussi un art. Donc on voulait donner aussi un peu la part belle à cet art, des jeux de lumière, des choses comme ça. Vraiment, toutes les formes d'art seront représentées au Phare 2015. En tant que coordinatrice pour le projet Phare, j'essaie de faire en sorte que toutes les informations passent bien entre les personnes du groupe. Je m'occupe aussi de tout ce qui est réunion avec les autres projets, puisqu'on a aussi d'autres projets au sein de l'association du Master franco-allemand. Quelques exemples, le projet Terroir, on a le projet Metz en musique, on a le projet Alumni aussi, qui est au sein de l'université. Et les petits claps, qui est un festival de films. Voilà. Aussi, tout est international. Donc, on se réunit avec tous les chefs de projet. Je m'occupe aussi du budget. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'on arrive dans nos comptes en positif, puisque c'est aussi le but de cette année, de pouvoir compenser éventuellement les pertes des autres projets. Ça fait partie de mes missions en dehors des cours, effectivement, puisque en cours, on a eu en fait au départ ce projet. On nous a dit, vous devez monter une exposition d'art. Ensuite, tout s'est fait entre nous, donc on a décidé qui allait faire quoi, et chacun, en fonction de ses prédispositions, a décidé de s'occuper soit de la communication, soit de la recherche d'artistes, soit d'autres choses. En fait, voilà, c'était chacun a un peu mis ses idées, et c'est vrai que ça a été très enrichissant à ce niveau-là. Parmi tous ces projets, on pouvait dire ce qu'on voulait faire. On a eu le droit à deux vœux. Et le professeur, en fonction aussi des personnalités de chacun, nous a attribué les projets. Et comme l'a dit Madeleine avant, je pense qu'on a tous une fibre un peu artistique dans le groupe, et ça nous correspond vraiment bien. Alors la communication est un très large domaine dans ce groupe, car ça prend à la fois les sponsors, la recherche de sponsors, la recherche également de... C'est faire de la publicité finalement, la recherche de radio, la recherche
de journaux, mais également aussi la conception des flyers, des affiches pour qu'un large public soit attiré et veuille venir à notre exposition finalement. La communication, c'est un domaine que je découvre à mon niveau personnel, puisque on est finalement, je n'ai été que dans l'université, dans le cadre de l'université, et ce projet est une bonne opportunité pour nous mettre dans la vie active, dans la vie plus réelle et au quotidien de chaque entreprise, pour avoir plus de contacts. Oui, c'est quelque chose qui est assez plus qui s'éloigne un peu de la théorie, mais plus qui va dans la pratique, je dirais. C'est assez dur de trouver des sponsors, mais bon, c'est quand même... on a un sponsor principal qui est l'OFAGE, qui nous a vraiment aidés pour la réalisation et la concrétisation de ce projet. On a également beaucoup de radios et de journaux qui veulent nous faire de la publicité, nous annoncer comme un projet qui dynamise la ville de Metz et qui favorise les échanges franco-allemands, notamment Le Républicain Lorrain, l'Ami Hebdo ou RPL. Pour le flyer, on s'est concerté toutes les cinq, c'est ce qui est très important, car c'est vrai que même si je suis chargée de la communication, c'est très important que l'on ait, pour ce projet-là, de la conception du flyer et de l'affiche, une idée tout ensemble. Et c'est vrai qu'on a fait appel, on a réfléchi, puis finalement on s'est dit que ça serait bien de faire appel à un graphiste. Et donc c'est un graphiste qui nous a fait l'affiche et qui finalement représente très bien le projet actuel et qui est relativement plus jeune, puisqu'on vise à attirer des étudiants. Donc on a brisé un peu les codes des traditions par rapport aux années précédentes, puisque nous avons totalement changé le logo, le concept de l'affiche est totalement différent pour que vraiment un plus large public puisse s'identifier à cette exposition. Cette année, le phare se tiendra au Salon d'honneur de la gare de Metz, comme l'année précédente. Et c'est pour nous très important de rester dans ce lieu puisqu'il participe vraiment de l'attrait de l'exposition. C'est un salon qui est très peu ouvert, qui est magnifique, le salon Charlemagne avec un vitrail exceptionnel, et on pense qu'il peut vraiment participer de la beauté du lieu et aussi permettre de créer des contrastes assez intéressants avec des œuvres plus contemporaines justement. Le phare aura lieu le 31 janvier et 1er février. L'exposition ouvrira ses portes le samedi à 14h jusqu'à 19h et le dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite et on vous y attend nombreux. Ils seront là et nous accueillerons les visiteurs et espérons que ça se passe au mieux. Tous les artistes seront présents pour justement favoriser un contact entre les artistes et le public pour pouvoir expliquer leurs œuvres, leurs méthodes de travail. Ça nous tient vraiment à cœur qu'il y ait un vrai échange entre les artistes et le public. Donc pour nous retrouver, vous pouvez nous chercher sur Facebook, sur la page Phare Édition. Et l'adresse mail, c'est projet.phare@gmail.com. Découvrez l'exposition Phare, une exposition franco-allemande et luxembourgeoise qui se tiendra au Salon d'honneur de la gare de Metz le samedi 31 janvier de 14h à 19h et le dimanche 1er février de 10h à 19h. Venez découvrir plus de 43 artistes de différents horizons, entrée gratuite pour tout public. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Phare Édition, ou bien par mail à l'adresse projet.phare@gmail.com.